Congo Dialogue aussi on a un salipé abonnement à noter qui est rapidement na Congo Dialogue YouTube. Abonne-toi, fais partie de la famille de Congo Dialogue, là où nous sommes là, décide de bonne manière pour vous informer sur tous les aspects de la vie des Congolais et du monde entier en général, n'est-ce pas? Et partout où le Congolais est, il y a toujours une information, une actualité, n'est-ce pas? Voilà, nous sommes très ravis d'être avec vous. Moi, c'est Joseph Bola International, votre présentateur de l'émission Espace Dialogue, là où la réflexion et la connaissance se rencontrent. Merci de choisir ce programme. Aujourd'hui, c'est juste un petit encouragement, en fait, j'allais dire, voir comment c'est très étonnant. Une jeune fille, elle doit avoir 8 à 9 ans, si je ne m'abuse pas, se tenant devant le public, beaucoup, elle prêche, elle parle sur l'obéissance, sa main, comme on dit en anglais, it just blows my mind. Cet après-midi, mon exhortation a pour thème l'obéissance. Amen, amen. Je n'entends pas vos amen. Je n'aime pas la façon dont vous dites vos amen. Alors, je vais d'abord commencer par définir l'obéissance qui a pour verbe d'action obéir. Alors, qu'est-ce que c'est obéir? Obéir, c'est faire ce qu'on me demande de faire, c'est respecter les uns les autres, c'est écouter attentivement et mettre en pratique les instructions données tout simplement. Amen! Dis à ton prochain, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donne-moi un bon amen. Je n'entends pas vos amen. Ils sont encore à l'hôpital. Nous, enfants comme adultes, sommes tous concernés sur ce point qu'est l'obéissance. D'ailleurs, si nous voulons véritablement expérimenter la gloire de Dieu, cependant, la Bible déclare que nous, en tant qu'enfants, nous devons obéir à nos parents. Amen. Je n'entends pas vos amen. Je n'aime pas la façon dont vous dites vos amen. Nous devons non seulement obéir à Dieu, mais nous devons aussi obéir à nos parents et à nos conducteurs, car cela est juste. Adam et Ève ont désobéi à Dieu. C'est pour cela que le péché est rentré dans le monde. C'est pourquoi nous qui avons été rachetés par Christ, nous devons être obéissants. Car désobéir, c'est péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais Christ est venu nous donner la vie en abondance. Qui font amen? La Bible continue et dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Nous devons aller au-delà de l'obéissance. Dis, pasteur, on y pousse encore dans les profondeurs. Honorer ses parents prolongera nos jours sur la terre. Ceux qui déshonorent leurs parents peuvent mourir tôt. Crie fort, ce n'est pas ma pension. La parole de Dieu continue et dit et interpelle les parents à ne pas irriter les enfants, mais de nous élever en nous corrigeant et en nous instruisant selon le Seigneur, dit-on selon le Seigneur qui aime bien châtie bien. Amen. Ce soir, j'exhorte les parents à nous élever dans le droit chemin sur les voies du Seigneur. Car la Bible dit, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre, afin que quand il soit grand, qu'il ne s'en détourne pas. Nous sommes les leaders de demain. Et en tant que parents, votre responsabilité est de nous porter plus loin que vous et surtout nous élever dans la crainte du Seigneur. Parents, donnez-nous la possibilité de grandir selon le Seigneur. Car il y a des parents qui viennent dans la présence de Dieu et leurs enfants sont à la maison.
le bon choix. Nous avons tout comme vous besoin de la parole de vie pour bien grandir. Ne regardez pas mon âge. Ne regardez pas ma taille. Mais regardez à l'âme qui est connectée à Dieu. Et vous recevrez votre bénédiction. Sur ce, nous pouvons retenir que nous devons être des enfants obéissants et que la responsabilité des parents est de nous éduquer selon les voies du Seigneur. Amen. Avant de finir ma prédication, j'aimerais bien que vous répétiez cette prière avec moi. Seigneur, fais de nous des enfants obéissants. Et non désobéissants. Seigneur, protège-nous en ce lieu. Merci Seigneur pour ta grâce et ta faveur que tu accordes sur nos vies. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai prié, tout le monde dit amen. Et que Dieu vous bénisse. L'intervention m'a vraiment épaté. Cet enfant, cette jeune fille, elle a prêché sur l'obéissance. En tant que prédicateur aussi, vraiment, quelle idée, quel courage, de parler de Jésus, de parler de l'obéissance devant une grande assemblée, n'est-ce pas? Ça m'a vraiment tiqué. Un enfant de 9 ans, une fillette de 9 ans, parlant de Jésus, prêchant, na ajne bongo. C'est vraiment une action vraiment louée. Je me dis, je dois faire quand même une vidéo spécialement pour cette fille ici, pour encourager nos parents, pour encourager les papas, les mamans, les serviteurs de Dieu aussi, hein, n'est-ce pas? Comme vous savez, nous les Africains, nous sommes plus religieux, nous sommes plus chrétiens, n'est-ce pas? Ce sont des exemples vraiment à suivre. Que Blum Somi Kirito négligeable, mais quand on voit tout ça, c'est déjà dans les réseaux sociaux, tu comprends que non. Gloire au Seigneur, aux parents qui encadrent de tels enfants. Vous aussi, vous nous suivez. Laissez l'enfant découvrir, enseignez-le, n'est-ce pas? Ne les irritez pas. Hein, nous avons cette responsabilité. Si peut-être nos parents n'ont pas pu nous donner ce qu'ils devaient nous donner, on a raté peut-être une éducation donnée. L'Église aussi est là pour ramener les gens dans le droit chemin. Voilà pourquoi nous sommes là pour encourager nos enfants. Ce que nous ne pouvons pas faire, et ils sont quand même amusés de le faire, et que ce soit des filles ou des garçons. Au lieu peut-être de les exposer dans des danses, les exposer dans des cultures qui n'apportent absolument rien, enseignons-les le droit chemin. Si vous sentez que l'enfant est habile dans un domaine donné, encourageons l'enfant, n'est-ce pas? Hey, parce que nous, on a toujours tendance à... Moi, on a 14 ans, 15 ans. Regarde un peu le blanc là, à l'âge de 13 ans. Tu sais, en Afrique du Sud, j'ai rencontré un blanc. Son fils, il a 13 ans. Il m'a dit qu'il aura 14 ans cette année ici. Ce papa-là, c'est un blanc, c'est un bourre en fait, c'est un fermier. Cet enfant connaît conduire la voiture. Ici en Afrique du Sud, pour avoir le permis de conduire, c'est à l'âge de 17 à 18 ans. Mais cet enfant n'a que 14 ans. Il conduit la voiture, il conduit les motobikes. J'étais vraiment impressionné. Et ce qui est encore plus grave, il conduit même le track. Je t'ai surpris, je vous dis ce que j'ai vécu. The boy told me like, you know, uncle, I can drive this truck, man. Il m'a dit ça, j'ai dit non, non, tu mens. Son papa faisait le tour de ronde dans le parcelle. Et puis par après, et curieusement, le papa est descendu sur le track. Il est descendu et l'enfant a sauté, sursauté rapidement. L'enfant est entré là à côté. Et bon, vous savez, la plupart des traits sont de voitures, de camions automatiques. Hein. Il est entré, il a commencé à bouger, à conduire. Et le papa est allé rapidement lui dire, hey, stop! Et le papa est entré dans les passages assis à côté pour lui diriger comment prendre gauche et droite. Mais des petites voitures comme ça, il conduit. J'étais trop choqué. Je me dis, non, pourquoi nous aussi, Africains, Congolais, enseignons nos enfants, n'est-ce pas, les apprendre des petites notions de la vie pour qu'ils ne soient pas surpris. Si vous regardez la majorité de Noirs, ils conduisent peut-être à l'âge de 25, 26, 30 ans, 40 ans. Il y a de ceux-là même qui ne savent même pas conduire.
Tu vois, donc ce sont des choses que nos parents n'ont pas pu penser à cela. Alors nous qui sommes aujourd'hui de la 21e génération, aidons nos enfants, n'est-ce pas, à grandir. Lorsque tu découvres un talent, encourageons, encadrons. Ne sont pas là juste pour scrimer ou crier sur eux, hein, les frustrer. Et il s'est dit non, ah, Laura, papa gagne, maman gagne, je ne vais pas le faire. Je ne peux plus le faire. Et ça frustre les enfants. Et voilà pourquoi nous avons la plupart des enfants qui sont dans les rues. Si tu leur demandais, non, parce que maman a dit ça, papa a dit ça. Et ça dérange un peu l'avenir des enfants. Et la plupart des enfants sont hypothéqués à cause de nous, parents. Donc voilà cet exemple de la petite fille prêchant la bonne nouvelle. Je me dis, bon, elle a vraiment besoin d'un encadrement. Bien sûr qu'elle doit aller à l'école. Hein, quoique le ministère est là, mais elle doit aussi aller à l'école pour étudier, apprendre tout ça, hein, avoir le diplôme, le certificat, avoir le diplôme, l'examen d'état et aussi faire les universités. Les études universitaires, ça serait quand même une bonne chose, au lieu peut-être de Kosukaranin. Donc c'est vraiment encourageant, très ravi. Voilà, donc c'est vraiment une interpellation à tous les parents de la RDC, tous les parents du monde, tous les parents des États-Unis. Tout ça, donc l'interpellation, comme on a dit, mon azo, t'es à ma case, t'es sur l'obéissance. Obéissant à Dieu, hein, l'obéissance aux parents, tu vois, donc c'est très encourageant, n'est-ce pas? Ça qui toque fort, et sa propre fort. Voilà. Ma madame Ngembe, t'as la rabana mike, boy, donne bazo pour la liloba, tu n'as pas l'idée, ma frère, moussoukou, ba t'es à rataning azo, t'es à bon côté. Tu vois, monsieur Pebolo Kaba quoi un ministère ben ta hôte à te. Mais moi nazo lingané ministère te main jambe ça a adopté na ba capacité wa ko côté ya sans problème. C'est vraiment un exemple à suivre. J'ai prié que les parents de cet enfant puissent bien encadrer cet enfant ici, cette fille ici pour être quoi la lobby au comme appelle un tel na mboka na bango. Un ba grand oyo le lo va télé mi bazote à sa madame qui to comme voyez. Donc c'est un peu ça. Côté Annette Rebecca, hein, quand la mine t'a présenté l'examen d'état naïe na Eben John, hein, donc il y a pas Théa Kamakasi na cesse mais Azotea, Rebecca Mayang Azotea, donc elle enseigne les enfants le Kodi, elle partage la parole, c'est encourageant. Les enfants tels que Joyce Boloa, Télémi Azotea na katsa écran Libosoa Batou, c'est encourageant, hein. Donc c'est vraiment encourageant, donc nous encourageons cela. Voilà, ça semble un peu bizarre, mais on fait, c'est ça YouTube, hein? C'est ça YouTube, on fait passer ce qui apporte quand même un plus dans l'instruction des enfants, n'est-ce pas, dans la vie des gens, et ça inspire, ça inspire quand même, n'est-ce pas. Alors restez branchés, connectés dans notre BVC Congo Dialogue. Moi c'est Joseph Bolois, Facebook, donc tout ce commenté, tout ce là, sur le sujet, monsieur Zali, beaucoup mais la version numéro dans un petit écran, tout ça, n'a pas été dans un petit écran, tout ce là, sur ma casse, tout pour ces réflexions, parce que avenir à bien, puis génération à bien, et ça va dans biso, tout préparer, bien, pour lobby, tout regretter. Peut-être les générations les leurs ont regretté parce que les parents n'ont pas pu penser à cela. Qu'on cultivait, qu'on talent, le talent, le don, ils n'étaient pas bons. Moi, j'ai dit que si maman, bisimba, c'est qu'il y a un don mécanique, un don engineering, don, il faut découvrir cela. Prie à Dieu que, dans ma fongole, M. Belloni, nous avons dit qu'il y a un banana pour que l'obi, olé, là, t'es quoi. Voilà. On se voit jusqu'à un prochain numéro. Bye.